Découvrons maintenant Régis et Naouel Tournebise qui amènent le projet Capril, toujours dans la catégorie agriculteur. Projet qui a pour but de développer une exploitation en polyculture structurée autour du Cabri créole, avec une production de lait et une fromagerie artisanale caprine locale. Bonjour à tous, je m'appelle Régis Tournebise et je représente ma fille Naouel Tournebise au concours Agrin Startup 2023. Elle a 23 ans et est décidée à s'installer jeune agricultrice avec un projet baptisé Capril. Il s'agit d'une ferme laitière avec des chèvres créoles ainsi que d'une fromagerie pour transformer le lait en yaourt, fromage frais et tome. Évidemment, pour respecter ses convictions environnementales, l'exploitation suivra les principes de l'agroécologie comme les associations graminées légumineuses pour les prairies, les haies variées, fourragères, fruitières et mellifères. Elle sera conduite sous label agriculture biologique. Participer à Green Startup 2023 est intéressant à plus d'un titre. D'une part, c'est challengeant de démontrer l'intérêt d'un projet laitier original et ancré localement, race créole, alimentation locale. D'autre part, concourir, c'est espérer avoir l'appui des différents partenaires, profiter de leur expérience, de leur science. Qu'il soit privé ou public, Naouel remercie tous les participants. Région Guadeloupe, Chambre d'agriculture, INRAE. Merci à tous, organisateurs, participants. N'hésitez pas à suivre le projet Capril sur les réseaux sociaux. Et vive Agrin Startup 2023!